chien semble aimer se battre. Je me demande ce que Maria va faire. Comment ça va? Je suis une bombe au bord de l'explosion. On a tout foiré. Paolo est parti. Les Maximas Matanza sont morts. Moi, je suis au fond du trou et Marquez, ça continue comme si de rien n'était. On s'en est pris à son usine de Rome, à ses panneaux publicitaires. Mais cette gare s'en fout. On va changer de méthode. Elle est censée présenter le Viviro à la presse étrangère. Il faut que j'y aille pour régler ça en personne. Il paraît que t'as récupéré des accréditations. Je vais mêler aux journalistes et tout balancer devant elle. Tu me suis? Il est temps de niquer le show, Marquez. On doit éliminer Maria. Tiens, t'es journaliste maintenant. Félicitations. La classe, ici Talia Benelides de notre beau jardin. Cogne, ça devrait passer. Prends nos affaires, qu'on se fasse pas tuer. Faut changer de fringue. Hé, hey, vous n'êtes pas... Sylvia Balboa, jardin ravi. Notre beau jardin. On pourrait faire vite. Maria attend. Bienvenue. Bienvenue, chers amis de l'étranger. Merci à tous d'avoir fait le déplacement pour en apprendre plus sur le joyau de notre pays, le Viviro. Commençons la visite. L'architecture est impressionnante. Joli. Tout cet argent pourrait profiter au peuple de Yara. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de partager avec vous le miracle du Viviro, un traitement révolutionnaire contre le cancer. Il y a 13 ans, le docteur Edgar Reyes, brillant biochimiste, a découvert un composé spécifique à Yara qui ralentit la prolifération des cellules cancéreuses. Mais c'est grâce au soutien total du président Anton Castillo que nous pouvons produire ce médicament naturel. Découvrez l'histoire d'une innovation révolutionnaire, de la générosité et de l'esprit de Yara. Suivez-moi. Merci pour la présentation. Vous savez comment recevoir vos invités. Tout le plaisir est pour nous, Nikolai. Tout commence avec la Nicotiana yarana, une plante endémique qui pousse dans nos fermes à l'ouest. Notre tabac est célèbre dans le monde entier pour sa saveur unique. Désirant se renseigner sur son aspect unique, le docteur Reyes a étudié les propriétés de la plante. Et non, il n'a pas fumé des cigares à la chaîne. Il a trouvé un composé qui ralentit la division des cellules cancéreuses, la stoppant quasiment. Par ici, chers amis. Prêt pour la suite de l'aventure, Viviro? Le docteur Reyes a découvert que les récoltes de tabac naturel produisaient très peu de composés. Le président Anton a donc ordonné aux meilleurs scientifiques du pays de collaborer avec le docteur Reyes pour concevoir un engrais naturel, le PG240. Vaporisé comme une bombe de lac, il utilise la thérapie génique et des nutriments pour stimuler la production du composé. En regardant bien, vous verrez que le tabac a de grandes feuilles rouges. C'est dû à l'engrais. Magnifique, n'est-ce pas? Pur, bio et exotique. Non? Quelqu'un veut-il vaporiser les plantes? Venez, appuyez sur ce bouton. C'est si amusant. Parfait, une volontaire. Pas de volontaire? Ok, dans ce cas, je m'en charge. De création du Viviro.
utiliser McKay pour contourner l'embargo a alimenté la controverse. Nos détracteurs veulent s'enrichir sur le dos des malades. Ils nous voient comme une menace. Ils cherchent à nous nuire. Par ici, por favor. Rapprochez-vous. N'ayez pas peur. J'aimerais que tout le monde m'entende. Dans la région centrale de Yara, nos meilleurs scientifiques extraient, affinent et conditionnent le composé tabagique anti-cancer appelé Yarantine. Présent uniquement dans le tabac de Yara, le composé expliquerait la douceur de nos cigares, selon le docteur Reyes. Délicieux et bénéfique, non? Je fume un cigare par semaine pour garder ma ligne et mon tonus. Je vous assure. Et voilà, fin de la visite. N'hésitez pas à essayer nos stations interactives. Quand vous serez prêts, rejoignez-moi à la porte du salon extérieur pour un invité surprise. D'après certaines rumeurs, les fermiers exposés au PG240 auraient développé des cancers. Des rumeurs. Il ne faut pas croire ce qu'on raconte, c'est absolument faux. Je vois. Je pensais pas que c'était possible. Je la déteste encore plus qu'avant. N'appréciez pas la visite, hein? Et c'est la fin de notre visite. Mais avant de partir, une surprise. Voici le docteur Edgar Reyes, l'inventeur du Viviro. Docteur Reyes, merci mille fois d'être venu. Ah, muy bien. Merci à tous et profitez des lieux en dégustant le meilleur rhum de Yara. Voici quelques autres produits Viviro que nous développons. Gomme à mâcher, spray pour le nez, suppositoires vaginaux... C'est... comment on dit... une mise en bouche. Enfin, tout n'est pas comestible. Et si vous avez des questions, envoyez un email à mon assistant Julio. Allez, docteur Reyes, nous ne devons pas traîner. Et nous non plus, il faut qu'on entre. J'ai dit à Bichot de laisser nos armes ici. Prépare-toi à tout défoncer. Alors, et maintenant? On va improviser. Ça va le faire. Reste bien concentré. Du composé du Viviro, et... Nous ne la dévoilerons pas pour l'instant. Oui, et c'est certainement justifié. Que pouvez-vous leur dire?
renoncé à notre histoire. Un embargo de plus de 50 ans, imposé par plusieurs pays. Le président Castillo souhaite simplement avoir une chance auprès de la communauté internationale. Notre processus de sélection des pays qui recevront du nouveau est strict et nous ne comptons pas l'assouplir. Il faut qu'on se tire! Non! On doit trouver Marquesa! Alia! Il faut qu'on en finisse! Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Dani! C'est le docteur Davalos! Je viens nous. Allez, vous occupez des terroristes! Mon maman est mal choisie! Vous avez l'air stressé. Ce sont des coups de feu que j'entends. Oui! Oui, c'est bien ça! Concentrez! Rouille! Marquesa va s'enfuir! Respirez! Mais qu'est-ce qui se passe? Ne tirez pas! Je ne suis qu'un scientifique. Barrez-vous! Foutez le camp! Vas-y, filme! Bonjour, vrai Yaran, et bienvenue. On a une émission spéciale pour vous aujourd'hui. L'incroyable Maria Marques, ministre de la Culture et putatitrée de Tonton Anton. Vous êtes aussi directrice de l'Académie des vrais Yaran, non? Où on nous grille le cerveau pour être sûr d'être tranquille. Comme vous me l'avez fait, pas vrai, Maria? Quoi? Joue pas la conne avec moi! Talia, range ton arme, elle en vaut pas la peine. Toi. Toi, tu as attaqué ma maison. Tu as balancé des horreurs sur mon réseau. Est-ce que tu as une idée de l'humiliation que j'ai dû subir à cause de ton comportement dégueulasse? J'ai tout donné pour en arriver là. Je l'ai mérité. Et tu penses avoir le droit de venir tout me prendre? Mon académie a été fondée pour sauver les faux Yaran, comme toi, ou ce garçon manqué avec toutes vos perversions. Et où est-elle? Elle est d'accord au moins pour te laisser jouer avec une arme? Ok, on se casse. Allez! Il s'est passé quoi? Fais-la dégager d'ici. Merde. Allô?
mère est morte. Je savais que Talia finirait par avoir Maria. Ça faisait un moment qu'elle cherchait à la tuer. Je gère. Quel bordel. J'ai intérêt à me méfier. Ne surtout pas activer les valves. Ouais, d'accord, pas de problème. Donc Maria s'empare de cet endroit, mais le proprio est toujours dans le coin. Je dois le retrouver. Dans ta gueule, Castillo. Ah.
encore assez de pression. Il doit bien y avoir un bureau dans le coin. Quelqu'un ? Pour dessouler. Ça te servira plus, pas vrai? Super. Je vais en prendre bien soin. Je suis à la cathédrale, et elle est aux mains des hommes de Castillo. Merde. L'un des prêtres hébergeait certains de nos guerrilleros. Le père Diego doit être retenu en otage. Je sais ce que j'ai à faire. Ouvre l'œil, Dani.
clé.